Au premier acte, la scène se passe dans l'avenue du jardin de Monsieur Dolmont. Le soleil est déjà bien haut et Colas ne vient point. Aurait-il oublié ce matin ce qu'il désirait hier avec tant d'empressement? Eh bien, en l'attendant, faisons toujours le bouquet pour la fête de Monsieur Dolmont. De Colas, qui peut nous l'avoir arrêté? Oh, je veux le quereller! Pourtant, je sais qu'il m'aime. Et il n'ignore pas aussi mes sentiments pour lui. Il est si bon, si franc, si sincère. Une chose pourtant me déplaît en lui. Il est jaloux. Mais j'entends quelqu'un. C'est sans doute lui. Non? C'est monsieur le bailli qui vient encore m'ennuyer de ses propos. Eh, hey, bonjour, belle Colinette. Bonjour, monsieur le bailli. Que fais-tu donc si matin? Vous le voyez, je fais un bouquet. Sera-t-il pour moi? Pour vous? Oui, j'aimerais beaucoup un bouquet de ta jolie main. Et si tu voulais m'aimer, je saurais te rendre fort heureux. Je vous suis obligée de votre bienveillance. C'est répondre assez mal à mon empressement. Et que voulez-vous donc que je fasse? Tu badines toujours, mais je te parle sérieusement. Il ne tiendrait qu'à toi de devenir ma petite femme. Votre petite femme? Vous avez bien de la bonté. Je me flatte que Monsieur Dolmont n'y mettrait point d'obstacle. Vous vous flattez peut-être un peu légèrement. Mais si tu y consentais, toi... Pour cela, non. Je vous assure. Bien, toi, tu me parais bien décidé. Est-ce que tu serais assez folle pour refuser la main d'un homme qui t'aimerait? Je serais du moins assez sage pour ne pas accepter celle d'un homme que je n'aimerais pas. Tenez, monsieur le bailli, je ne songe point à me marier. Souffrez que je vous quitte pour aller porter ce bouquin à monsieur Dolmont avant l'arrivée des miliciens. Et quoi, si pressé? Reste donc encore un moment. Les enrôlements ne commencent pas si matin et nous pouvons causer encore. Non, mais pas encore. Elle est charmante, mais c'est dommage qu'elle ne m'aime pas. Cependant, ne désespérons de rien. Le cœur d'une jeune fille est comme l'amadou. Une étincelle suffit à l'embraser, j'espère qu'elle s'apprivoisera.
D'autre part, épouser une jeune fille à mon âge, il y a bien quelques risques à courir. Et ceci demande quelques réflexions. Oh, me voilà tout à fait décidé. À quoi sert de délibérer? Je me crois encore propre à faire le bonheur d'une femme. Quand j'aurai réussi à lui plaire, il me sera facile de renverser les obstacles que M. Dolmont pourrait mettre à notre mariage. Et puis, la petite friponne n'est peut-être pas sans avoir déjà quelque amoureux. Je l'ai vu parfois avec un certain Colas des environs. Mais le voici, ce Colas. Tâchons de découvrir ce qui en est. Serviteur à monsieur le bailli. Ah, te voilà, maître Colas. Tu me parais bien gai ce matin. Oh, pas beaucoup, monsieur le bailli. Qu'as-tu donc? Es-tu malade? Je me porte assez bien, mais je ne mange ni ne dors, et puis parfois je poussons des soupirs comme si m'étions arrivé quelque malheur. C'est une maladie sans mal. Je sentons seulement là-dedans quelque chose qui me tarabuste furieusement. Ah. Et je viens pour en parler à monsieur Dolmont. À monsieur Dolmont, est-ce qu'il est médecin? Non, c'est le seigneur du village, mais ils pourrions d'un seul mot me rendre gai comme un pinson. Je crains bien d'avoir deviné. Sais-tu que je suis un peu devin, moi, et que je puis te dire d'où vient cette langueur? Voyons, montre-moi tes yeux. Ah. C'est cela même. Eh bien, je connais à présent la cause de ton mal, c'est ce qu'on appelle la maladie de l'amour. De l'amour? À quoi diantre connaissez-vous ça, vous? Je ne m'y trompe jamais. Et je te dirai de plus le nom de celle que tu es. Oh, ben, ça serait drôle. Mais voyons, dites-le-moi. C'est Colinette, l'orpheline de monsieur Dolmont. Oh, ah. mais vous êtes pire qu'un sorcier. Tenez, je ne voulions pas le dire, mais Morgane, vous avez mis le nez dessus dès le premier coup. Est-ce que vous la connaissez? Je l'ai vue quelquefois, comme ça, chez monsieur Dolmont. Elle est assez gentille. Oh, dites plutôt qu'elle est bien jolie. Eh bien, sois jolie, si tu veux. Y a-t-il longtemps que tu la connais? Oh, pardon, très tout petite, j'avons été élevés par ensemble. Sa mère et mon père étions amis et voisins. Ils s'étions bien promis de nous marier un jour par ensemble. Et c'est sans doute pour cela que tu veux parler à monsieur Dolmont. Justement. Mais c'est que je suis si honteux que ça me coûte à l'en y parler. Le pauvre Colas. Mais crois-tu que Colinette est aussi de l'amitié pour toi? Oui, je le crois. T'a-t-elle dit quelquefois qu'elle t'aimait? Oh oui, plus de 100 fois. Et jamais tu ne t'es brouillé avec elle? Oh, pour ça, si fait. Mais je ne tardons pas à nous raccommoder. Mon cher Colas, je m'intéresse à ton amour et comme je connais monsieur Dolmont, je lui parlerai pour toi, si tu veux. Oh, si vous vouliez faire ça, quelle obligation je vous aurais? Oui, d'âge, je le ferai. Mais je parlerai pour toi à certaines conditions. Monsieur Dolmont n'est pas un homme fort traitable. Il faut savoir le prendre. Ainsi, il faudra que tu me promettes d'être soumis à tout ce qu'il te dira. Oui, 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 je ferai tout ce que vous voudrez, pourvu que... Tu peux compter sur moi, je parlerai pour toi. Je parlerai pour toi. Vous savez mon affaire. Oui, oui, laisse-moi faire. Vous parlerez. Je parlerai pour toi. Parlerai. Je parlerai pour toi. Je parlerai pour moi. Je parlerai pour moi. Assis de la maîtresse, vous m'obtenez la main. Je veux par politesse prier du feste. Par mon heureuse adresse de ta jeune maîtresse, je t'obtiens de.
Tu te souviendras de ce que tu m'as promis. Oui, oui, monsieur le bailli. Eh bien, écoute-moi, je serai chez monsieur Dolmont dans une demi-heure. Tu n'as qu'à venir m'y trouver et je te présenterai à lui. Ça suffit, monsieur le bailli. Et grand merci de votre bonté. Morguet, je suis bien heureux d'avoir rencontré monsieur le bailli ici à propos pour m'aider à parler à monsieur Dolmont. Oh, c'est une chose qui coûte tant que d'aller demander quelqu'un en mariage. Surtout quand on n'a pas la parole en bouche. Te voilà donc enfin. Il est bien temps de venir quand l'ouvrage est fait. Et quoi donc? Oui, le bouquet que nous devions présenter à M. Dolmont. Ah, mais c'est que je n'y ai pas songé du tout. Oh, belle excuse. Voilà comme tu es. Tu ne songes à moi que quand tu me vois. Mais je n'ai rien perdu, car pendant que j'étais seule ici, un bon monsieur riche m'est venu trouver qui m'a bien désennuyée. Oh, voilà un beau conte que tu me fais là. Ce n'est pas un conte, il m'a même fait des propositions de mariage. Mais sans doute que tu n'y as pas donné d'espérance. J'étais plus, car je lui ai presque donné ma parole. Serait-il possible que tu pourrais en aimer un autre, après toutes les promesses que tu m'as faites? Ah, il est vrai, je ne sais pas comment j'ai pu oublier cela. Mais dis-moi, est-il convenable à une fille d'écouter les cajoleries d'un quelqu'un quand elle s'est-on promise à un autre? Comment tu peux oublier ce que tu m'as dit 100 fois, ce que tu me disons tous les jours? Et n'as-tu pas toi-même oublié qu'hier au soir, tu me demandas avec empressement la permission de venir ce matin me trouver au jardin? Ah, tu es trop méchante aussi de me faire rendez-vous comme ça. Eh ben, laissons cette plaisanterie qui te cause du chagrin. Et sois sûr que je suis toujours la même pour toi.
mon cher Colinette. Tu me le rends, le bonheur. As-tu parlé à Monsieur Dolmont? Non, mais j'ai trouvé quelqu'un qui s'est chargé de lui en parler avec moi. Et j'y vois y aller tout à l'heure. Que veux-tu dire? Tiens. Conte-moi donc cela. Yves, là, comme ça s'est passé. Je me suis levé ce matin tout triste comme d'ordinaire. Et j'ai dit en moi-même, c'est demain la fête à Monsieur Dolmont. C'est un bon jour pour lui demander une grâce. Faut que je lui conte mon amitié pour Colinette et que je lui demande en mariage. Il a le cœur bon, peut-être qu'il me l'accordera. Eh bien. J'en donc été au château, mais comme il n'était pas levé, je n'ai pu y parler. En revenant, j'ai rencontré Monsieur le bailli. Vlotipo qui s'est mis à deviner à mes yeux que j'avions de l'amour pour toi. Alors quand j'ai vu ça, j'ai tout ingénument dit que c'était vrai, mais que j'osions lui en parler. Eh ben, Colo, il m'a dit, je veux m'intéresser pour toi. Viens tantôt me trouver chez Monsieur Dolmont et je lui en parlerai. Ben moi, bien content, je veux remercier. Tu as fait là une belle affaire. Vas-tu pas encore me quereller? Qu'avais-tu besoin de t'aller confier à ce vilain bailli? Oh, c'est un homme qu'à la langue bien pendue, va. Je te dis, moi, qu'il ne faut point s'y fier. Il faut que tu parles toi-même à Monsieur Dolmont. On ne plus songer à notre mariage. Oh, pardine, Jean-Bas du Guignon, je ne puis jamais te contenter. Allons, je veux lui parler, coûte que coûte. Mais comment que je dirais? Il faut premièrement demander à lui parler. S'il n'est pas occupé, tu te feras introduire, tu le salueras et tu lui diras « Monsieur, j'ai pris la liberté de vous troubler pour avoir l'honneur de vous souhaiter une bonne fête. Mmh. » Là-dessus, tu te répondras quelque chose et aussitôt, tu lui demanderas son consentement pour notre mariage. Bon, c'est bon, je m'y en vais. Eh bien, voyons, répète-moi ce que je viens de te dire. Ah, tiens, je suppose que tu es Monsieur Dolmont. J'ôte mon chapeau et je lui dis « Monsieur, je prends l'honneur d'avoir la liberté... » L'honneur d'avoir la liberté. Quel galimatia fais-tu donc? Bah, et dame aussi, il y en a si long. Je puis-tu me souvenir de tout ça, moi? Non, vaut mieux que je lui dise tout franchement ce que j'ai dans l'âme. Oui, mais tâche de t'expliquer le plus poliment que tu pourras. Et cours vite, car il sera occupé toute la matinée. Attends-moi, je serai bientôt revenu. Au deuxième acte, la scène se passe dans l'appartement de Monsieur Dolmont. 5 et 5 font 10 et 10 font 20, 24 et 6 font 30 et 7 font 37 et 8 font 45 et 2 font 47. Voilà toujours 47 miliciens d'enrôlés depuis 2 jours. Ma paroisse en doit fournir 50, c'est encore 3 qu'il me faut. Je les aurai aujourd'hui, j'espère. Et le nombre sera complet pour demain, alors qu'il doit partir après la revue. Comment? Déjà 9 heures? Il devrait s'être déjà présenté quelqu'un. Et j'ai donné ordre à mon imbécile de valet de les faire entrer. Mais il n'en aura rien fait. Je me suis chargé d'une singulière commission auprès de Monsieur Dolmont, mais j'ai mes vues. L'entreprise est un peu scabreuse. Et quand on viendra à tout découvrir, qu'importe. Tout moyen est bon quand il conduit au but. Ah, petite friponne. Vous aimez Cola? Patience, patience. Nous en avons vu d'autres. On trouvera le moyen de l'empêcher de vous voir. Si l'on résiste à mon ardeur,
il possédait à ma persévérance. Il possédait à ma persévérance. Ainsi que le chat qui guette, ainsi que le chat qui guette, pour attraper la souris. S'il s'aperçoit la pauvrette, s'il s'aperçoit la pauvrette, d'un coup pas autant de prix, d'un coup pas autant de prix. S'il aperçoit la pauvrette, s'il aperçoit la pauvrette, d'un coup pas autant de prix. D'un coup pas autant de prix. De même près d'une belle, jamais je ne permettrai. Devant moi la plus cruelle, mais bientôt les armes battent. De même auprès d'une belle, jamais perdu mes peurs. Devant moi la plus cruelle, mais bientôt les armes bat. Devant moi la plus cruelle, mais bientôt les armes bat. En amour, plein d'expérience, je sais l'art de gagner. Services. Je vous ai fait un peu attendre. J'étais occupé de quelques affaires regardant mes vassaux. Toujours occupé de... Ces pauvres gens ont souvent besoin de moi. Et il en coûte si peu quelquefois pour faire du bien. C'est se priver d'un grand plaisir que de n'en pas faire. Excellente morale. Mais à propos de plaisir, il me semble qu'on en goûte bien peu en vivant aussi retiré que vous. Et qu'on doit furieusement s'ennuyer. C'est ce qui vous trompe, monsieur. L'ennui n'est fait que pour l'homme désœuvré. Chacun a ses jouissances, et voici les miennes. Écartant de moi les soucis, les chagrins, les tristes ennuis, si l'on me blâme, je m'en ris.
Si l'on me blâme, je m'en ris. Pour moi, le plaisir suprême est de me faire des amis et de jouir de moi-même. Avec cette philosophie, on doit se faire effectivement beaucoup d'amis. Et souvent, l'on ne fait que des ingrats. Mais venons au sujet qui vous amène. Vous avez adopté une jeune personne à laquelle vous voulez du bien. Vous parlez de Colinette, peut-être. Il est vrai que j'ai pris plaisir à l'élever et j'ai bien lieu de ne m'en pas repentir. C'est une aimable enfant. Vous avez dessein sans doute de lui procurer un bon établissement. Je n'ai encore aucune vue à cet égard, mais quand elle prendra un parti, je me réserve seulement le droit de l'éclairer sur son choix. Mais à quel propos me faites-vous cette question? C'est une indiscrétion peut-être, et c'est cependant en partie le motif de ma visite. Chargé par quelqu'un de vous faire une proposition qui regarde Colinette, je voulais auparavant essayer de pénétrer les vues que vous avez sur elle. Qui est-ce qui vous a chargé de cette proposition? Un garçon d'un certain âge, mais riche et qui l'aime passionnément. Quel est son nom? Il ne m'a pas permis de le nommer avant que la proposition soit agréée. Son amour est bien mystérieux. Au reste, je n'ai rien à répondre. Car il n'entre pas dans mon plan de chercher à fixer le choix de Colinette d'après mon goût, mais seulement de la guider. Cependant, vous convenez que la raison de l'âge mûr n'est pas toujours fort propre à amuser une jeune femme. C'était sûr. Mais convenez du moins que la richesse ne rend presque jamais heureux deux époux quand ils n'ont d'autres félicités. Ainsi donc, monsieur, vous ne consentiriez pas aux propositions que cette personne... Je ne dis pas cela, mais je ne puis rien promettre sans consulter auparavant le goût de Colinette. Nous en causerons une autre fois. Et cela suffit. Je me suis aussi chargé de vous parler pour un jeune homme qui désire beaucoup de s'enrôler dans la milice. Avez-vous encore besoin de quelqu'un? Oui, vraiment, le nombre n'en est pas tout à fait complet. Le jeune homme dont je vous parle fera, je crois, votre affaire. Celui-là est vigoureux, assez bien pris, de bonne volonté, et sait de quoi faire un bon soldat. Il devrait être déjà ici, car je lui avais indiqué l'heure que je devais m'y trouver pour vous le présenter. Il est un peu timide, mais cela se dégourdira dans le service. Ce n'est rien. L'essentiel est qu'il soit jeune et de bonne volonté. Mais... n'est-ce pas lui qui s'avance? Monsieur, j'en prie l'honneur de vous troubler pour... J'ai parlé pour toi, monsieur Dolmont. Un grand merci, monsieur Bailly. Monsieur Dolmont m'accorde-t-il la grâce? Mon ami, ceci n'est point une grâce. Je me prête seulement à ton inclination et à ton goût. On bosque cette ça, monsieur, je vous assure que c'est bien mon goût et mon inclination. Ta taille est assez convenable, mais rempliras-tu bien tous les devoirs de l'État où tu vas entrer? On a moi le soin, monsieur. Tu as besoin d'une bonne santé. Il est très bien portant. Je ne suis jamais malade. Pouvoir résister à la fatigue du jour? Oui, il y est accoutumé. J'y sens. Nous sommes accoutumés. Oui, mais à celle de la nuit. Si je fatigue trop la nuit, je nous reposerons le jour. Oh, mon ami, cela ne s'arrange pas de même. Et l'on l'a souvent de repos, ni le jour, ni la nuit. Il est jeune, il résistera à toutes ces fatigues-là. Oui, ça nous regarde. Allons, tu me parais avoir un goût décidé pour cet état-là. Nous allons de suite procéder à ton affaire. Écrivez, monsieur le bailli, la formule est prête. Il n'y a plus que le nom à mettre. Comment t'appelles-tu? Colal Lefranc, monsieur, pour vous servir. Ton âge? 22 ans, monsieur. Voyons cela. Et monsieur le bailli, faut-il pas que le nom de Colinette soit sur le contrat? Il n'est pas nécessaire. Mais faudrait-il pas du moins qu'elle fût présentée? Faites-toi, n'interromps pas, monsieur. Le nommé Colal Lefranc, de la paroisse d'Olmont, âgé de 22 ans, volontairement et de plein gré, cela suffit. Sais-tu signer? Oh oui, monsieur, faisons bien la croix. Fais-la ici.
Et là. Voilà qui est fini, mon ami. Tu n'as qu'à préparer tes hardes et à te tenir prêt pour demain. Pour demain? Oh, que je suis content. Oh oui, monsieur, ton matin qui vous plaira. Tiens, mets cette cocarde à ton chapeau. Oh, grand merci, monsieur. Oh, le bon ruban. Oh, Nanny, vraiment, je craindrions de le salir. Oh. Ça sera pour demain. Tu peux le mettre dès à présent. Mais ne manque pas ce soir de venir chercher ton fusil. Un fusil? Un fusil, un havresac. Un havresac? Et pourquoi faire? Comment pourquoi faire? Un havresac et une giberne, ce sont des meubles dont tu as besoin. Ah, pour la chasse peut-être? Mais ne manque pas de prendre ta giberne dès le matin. Une giberne pour me marier? Qu'est-ce qu'il veut donc dire avec cette giberne? Tais-toi, tu le sauras. Monsieur le bailli, monsieur le bailli. Voilà. Monsieur le bailli, expliquez-moi cette affaire-ci, car su ma foi, je veux être un sot, si je comprends le mot à tout ceci. Tais-toi, monsieur le bailli, tais-toi, monsieur le bailli, je veux être un sot, si je comprends le mot, si je comprends le mot à tout ceci, si je comprends le mot à tout ceci. Monsieur le bailli, expliquez-moi, tais-toi, expliquez-moi, monsieur le bailli, la peste soit de l'étourdi, je croyais. Et vous, je ne comprends pas. Je t'ai pas parlé plus bas. Monsieur le bailli, eh bien, excusez-moi. Tu n'entends rien. Sexu ma phrase, tu es un son, tu es un son. Si je m'emploie, moi, à tout ceci. Si je m'emploie, moi, à tout ceci. Qu'ils attendent un instant, j'y vais bientôt. Des jeunes gens demandent à me parler. Oh ça, Cola, tu peux te préparer pour demain. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Monsieur le bailli, je vous quitte pour aller voir ceux qui m'attendent. Non, là, une fantaisie. Me marier avec une giberne sur le dos. Oh, je crois, Dieu me pardonne, qu'ils seront fous. Il y a dans cette affaire-là un micmac que je n'entends pas. Enfin, je n'en suis pas promis de les laisser faire. Un honnête homme n'a que sa parole, et si ça leur faisait plaisir de m'avoir avec cet accoutrement-là, eh ben, qu'est-ce que ça me fait à moi? Si ce mettons à rire, bah, je rirons et tout. Enfin, voilà toujours mon contrat de dresser. Oh, quel bonheur. Demain, j'épousons Colinette. Mais à propos, elle m'attend. Faut y aller compter tout ça. Oui, que dis-je? C'est un vilain tour du bailli. Tu vois que j'avais bien raison de me méfier de lui. Hein, pouvais-je t'y jamais penser à ça? Cela était pourtant assez clair, le fusil, la giberne et même la cocarde à ton chapeau. Non, mais aller signer son engagement. Je te dis qu'ils ont fait une espèce de contrat ou ce qu'ils m'ont fait signer. Comme quoi? Comme quoi, t'es un imbécile. Oh, laisse-moi, cruel. Et ne viens point augmenter mon chagrin par des reproches. Je n'en ai déjà bien assez. Conseille-moi donc et dis-moi ce qu'il faut faire. Attends, il me vient une idée. Oui, oui, j'entrevois un bon moyen de nous venger. Qu'est-ce que tu veux donc faire? Je veux lui parler seul. Je sais qu'il est amoureux de moi et j'espère que... Comment? Il est amoureux de toi? Mais tu ne m'avions pas dit ça. Ne vas-tu point encore être jaloux? Tiens, le voilà là-bas qui vient vers nous. Retire-toi promptement. Oh, que chien de manigance! Oh, le voici, le fourbe. S'il me parle encore de son amour, daignons d'y répondre et tendons-lui un piège à mon tour. Le hasard me sert à souhait, belle Colinette, je mourrais d'envie de te revoir. Eh bien, dis-moi, seras-tu toujours insensible à ma tendresse? Que vous êtes pressant. Cela dépend-il de moi, vous savez ce que je vous ai dit? Mais oui, chère mignonne, tu m'as parlé des obstacles à mon bonheur, mais qu'il serait bien facile d'aplanir. Y a-t-il quelque chose sur ma physionomie qui te puisse déplaire? On pourrait s'y accoutumer. N'ai-je pas l'air encore assez leste? J'en conviens. Et quant à mon âge, je suis peut-être plus jeune que tu ne penses. Je ne vous dis pas que non. Il n'y a que le premier coup d'œil qui ne vous est pas favorable. Eh bien, ma belle enfant, te voilà donc, sans le savoir, déjà disposée à m'aimer. Songe au soir. Aux prévenances, aux attentions, à l'amour que j'aurai pour toi. Il faut pourtant que je te dise une petite inquiétude. Sur quel sujet? Je t'ai vu quelquefois avec un certain Cola. Est-ce que tu aurais de l'inclination pour lui? Pour Cola? Oui. Et que ferais-tu
trouverai-je d'un homme comme lui? Oh. Cola ne sait que chanter, danser, rire et répéter sans voix le jour qu'il m'aime. Oh, que je sais mieux ce qui me convient. Je suis ravi de te voir dans ces dispositions. Voilà ce qui s'appelle penser en fille prudente. Oui, que ferais-tu avec ce col-là? Ça n'a rien du tout, et l'amour, comme l'on dit, ne donne pas de quoi vivre. Écoute, ma chère enfant, et retiens bien ceci. Sans argent dans le ménage, il n'est aucune douceur. Sans argent, le mariage n'est qu'un jour que l'esclavage, plein de peine et de rigueur, de peine et de rigueur. Mais dans l'opulence, quelle différence, l'hymen est un flatteur. Pour en goûte le bonheur, où l'on goûte le bonheur, où l'on goûte le bonheur. Si quelques légers chagrins troublent nos heureux destins, la fortune nous consort avec les jeux badins, les danses, les festins, la peine aisément s'envole. Sans argent dans le ménage, il n'est aucune douceur. Sans argent, le mariage n'est qu'un jour qu'un esclavage. De peine et de rigueur, de peine et de rigueur. Je vous crois, mais en un mot, je dépends de Monsieur Dolman. Que voulez-vous que je fasse s'il ne veut consentir? C'est un homme si extraordinaire qu'il ne fait presque aucun cas de la richesse. Il pense que les convenances d'âge, de goût et d'humeur sont les choses qu'on doit le plus rechercher dans le mariage. Voilà, il faut l'avouer, un système bien ridicule. Mais enfin, tu es toujours la maîtresse d'épouser ou de n'épouser pas. Je serais donc d'avis que tu lui parlasses de mes intentions. Moi, lui parler de cela? Oh, je serais trop mal reçue. Écoute, te voilà bientôt majeure. Je connais un peu la loi et l'on pourrait le forcer à... Tiens, tu lui demanderas d'aller passer quelque temps dans un couvent où, sur différents prétextes, tu pourrais rester jusqu'à ta majorité. Oui, mais s'il vient à se douter de quelque chose, il me veillera ensuite de si près que vous ne trouverez plus l'occasion de me parler. Ah, il faut chercher un moyen de te soustraire à cette tyrannie. Il en est un que les circonstances justifient et dont l'exécution est facile. Ah oui, quel est-il? C'est de t'enlever dès ce soir et de t'épouser secrètement. Voilà où je l'attendais. Mais que dira Monsieur Dolmont? Que pensera-t-il de moi? Voudra-t-il me pardonner? Quand la chose sera faite, il faudra bien qu'il y consente. Tout s'arrange et ce n'est pas le premier mariage qui se sera fait ainsi. Songe, mon enfant, que le temps presse et qu'il faut prendre un parti. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Il lui prend la main. J'avais bien raison de me méfier. Mais monsieur le bailli, qui vous répond du succès de ce projet? Il ne peut manquer de réussir. Ce soir, tu viendras te promener sous ces arbres. Je te conduirai dans ma voiture à ma maison de campagne où se trouvera un notaire affidé qui nous mariera sur le champ. Vous ébranlez ma résolution. Mais il faut que du moins j'emporte les hardes dont j'ai besoin. Je crains que cela ne fasse soupçonner... C'est ce qu'il faut éviter avec soin. Tu es assez bien vêtu comme cela. Laisse-moi faire et je pourvoirai à tout. Je te donnerai tout ce qui te plaira. En attendant, accepte cette bourse de 100 louis pour commencer ta garde-robe. Eh bien, j'y consens. Mais pour éviter les soupçons, j'irai me cacher ici, aux environs, à l'heure indiquée. D'accord. Le soleil va bientôt terminer sa carrière et l'obscurité secondera nos desseins.
Oh, que tu vas être heureuse, assise à l'ombrage de ma jolie maison. Mais à propos, laisse-moi donc prendre d'avance un petit baiser. Rien qu'un petit baiser. Non, 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 retirez-vous. Je crois apercevoir quelqu'un là-bas et je tremble qu'on nous voit ensemble. Allons, jusqu'à tantôt. Prends bien garde à l'argent. Ah, pour le coup perfide, je t'y prends. J'en vis toute la manigance, mais tu ne me tromperas pas davantage. Ah, tu croyais de m'attraper, ingrate, mais je me doutais bien que ce qui est arrivé. Et moi, je me doutais bien aussi que ta jalousie te ferait prendre les choses de travers, et c'est pourquoi je voulais t'envoyer. Pour me tromper plus à ton aise. Nicolas, tu m'offenses. Ne vois-tu pas que c'est un jeu? On est trop cruel. Dis-moi donc pourquoi. Tu ne m'aimes pas de toi. Ce n'est qu'un jeu de mots. Tu t'aimes pas de moi. Je suis trop perfide. Mais qui perd la servine. C'est libre de moi. Ce matin pour me parler encore de... Non, non, c'en est trop. On a suivi de ma femme. Il m'a donné ce qui me rendra. Non, je ne veux rien entendre. Partez, mariez-vous avec lui, puisque ça vous fait plaisir. J'en crèverai de chagrin, c'est vous qu'on serait cause. Mais non, tu te trompes. C'est autre chose que je veux te conter. Mais voici M. Dolmont, j'en aurai pas le temps. Je te laisse avec lui, mais ne lui parle pas de ceci. Allez, allez, ça m'est égal. J'en suis bien consolé et j'en prie notre parti là-dessus. Oh, si M. Dolmont savait ce qui se passe, la tromperie que m'a fait le bailli, ces manigances avec Colinette, ce serions vraiment de belles nouvelles à y apprendre. Mais c'est fini, je pars avec les miliciens. Eh bien, Colas, songes-tu à te préparer pour le départ? Mais qu'as-tu? Tu me parais triste. Au contraire, monsieur, je suis bien aise de quitter le pays. Mais tu reviendras sous 3 ans. Bon, j'en serais bien fâché, j'espère que bon coup de fusil... J'espère qu'il ne t'arrivera aucun accident. Ça m'est égal, monsieur. Il a, je crois, quelques chagrins. Est-ce que tu serais fâché de t'être engagé? Mais non, monsieur, j'en suis bien aise à cette heure, je vous assure. Tant mieux pour toi. Tu as dû faire tes réflexions auparavant. Ceci n'est pas un jeu d'enfant. Tu as voulu servir le roi. Oh, je servirai. Et si je suis tué, fiez-vous qu'il y a quelques-uns qui en auront plus de chagrin que moi. Enfin, voilà que c'est donc fini. Je suis enrôlé tout bon et je vais m'éloigner de Colinette. Oh, l'ingrate, l'enjôleuse, me quitter pour ce maudit vieillard. Je serais bien fou de regretter une perfide qui me trahit après m'avoir emmiolé. Non, 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 je ne l'aimons plus du tout. Cependant, elle avait quelque chose à me dire. Ah, mais bah, qui te mentrie que j'ont bien fait de ne pas écouter. Mais si pourtant c'était qu'une bonne raison. Ah, mais la voici. Faisons toujours le fier. J'accours pour t'expliquer enfin l'affaire de tantôt. Je dois partir ce soir avec le bailli. Alors, que ça me fait à moi? Il faut que tu sois de voyage. Ah, tu cherches à te raccommoder, mais je suis trop fâché pour ça. Écoute-moi, c'est une plaisanterie que j'ai imaginée pour nous venger. Allons nous cacher sous ce feuillage où il doit venir me prendre. Oh, que diantre d'invention! Aussitôt que le bailli sera près de moi, fais-lui peur et prends-le-moi au collet comme tu ferais un voleur. Ne lâche pas,
Pendant ce temps-là, je me sauverai et ne te mets pas en peine du reste. Mais enfin, cet argent qu'ils t'avons donné et que j'ont bien vu aussi. Bien, le voilà. Serre cette bourse qui me gêne, tu me la rendras tantôt. Je vais la remettre à Monsieur Dolmont. Mais où est-ce que tout ça aboutira? Faudra-t-il pas toujours partir demain pour cette milice? Non! J'espère que Monsieur Dolmont va te donner ton congé. Oh, chère Colinette, si ça arrive comme tu dis, tâchons de nous marier bien vite pour finir tout ce train-là. Dans notre petit ménage, si survient quelque orage, ça ne peut durer longtemps, ça ne peut durer longtemps. Et malgré la misère, nous aurons bien ma chère. Encore de bons petits moments, encore de bons petits moments. Et malgré la misère, nous aurons bien ma chère de bons petits moments. Et malgré la misère, nous aurons bien ma chère de ni l'or ni la richesse ne valent la tendresse. Ça ne peut rendre content, ça ne peut rendre content. Même dans la misère, il est encore ma chère. Souvent de mon petit moment, souvent de mon petit moment. Ma chère, le même dans misère de bon petit moment. Il est encore ma chère, le même dans misère de bon petit moment, de bon petit moment. Mais comment Morgaine? C'est-il pas lui, le bailli, qu'on voit là-bas? Regarde. Ah oui, c'est lui. Allons vite nous cacher. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Bon, bon, donne-moi la main. Tu n'as qu'à me laisser faire. Voici l'heure du rendez-vous. Et oh, on n'y voit plus goutte. Mais jamais, non jamais, on ne fut plus heureux que je le suis. Voyons, cherchons l'endroit où la friponne s'est cachée. Colinette! Colinette! Coute, 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 coute! Par ici! Oh! Te voilà enfin, chère mignonne. Il est donc vrai que tu vas combler mes voeux. Viens, ma petite, fuyons la voiture et près d'ici. Halte-là, qui va là? Halte-là, qui va là? N'avance pas, ou je te volerai pas. Toi, c'est cola, au ciel, quel embarras, quel embarras. Ici que mieux tu perds, ici qu'à qui la perds. Quel est ton nom? Laisse-moi donc. Réponds, réponds. Non, 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 non. Tu m'as donné ton nom. Parle donc, ou je t'assure. La peste soit un homme, ne me reconnais-tu pas? Si tu ne me lâches pas, coquin, tu t'en repentiras. Mais qu'est-ce si? Mais qu'est-ce si? Comment s'il coupe les yeux taillis? Eh oui, morbleu, j'enrage, j'enrage. Quel affront, quel outrage, quel affront, quel passage, quel passage. Je suis brisé, je suis meurtri, je suis brisé, que meurtri, je suis joué, je suis trahi. Oh, coquin, oh, traître, chéri. Oh, tu l'as fait exprès, mais tu me le paieras. Tu me le paieras. Comment on se bat? On se tue près de chez moi? C'est Monsieur Dolmont des Campons. Oh, quel contretemps! Qui sont ces coquins-là?
Ah, c'est vous, monsieur le bailli. Je suis ravi de vous trouver ici. Je vous rencontre aussi, bien à propos, pour vous porter ma plainte contre ce marouf, là. Mais où est-il allé? Le drôle a décrampé. C'est de ce coquin de Collat dont je veux parler. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Le coquin m'a roué de coups et je demande justice de son insolence. Justice, je la rendrai, monsieur. Je suis instruit de vos menées. Oh, ciel, il a tout découvert. Nous verrons ce que mérite un séducteur qui avait tramé le complot d'enlever une fille sur qui j'ai les droits d'un père. Il faut payer des fronteries. Qui vous a dit cela, monsieur? Collinette elle-même, qui, pleine de mépris pour votre indigne proposition, n'y a consenti que pour se jouer de vous. La coquine. Mais c'est elle-même qui s'est plainte de l'esclavage où vous la tenez et qui a accepté ma proposition pour se soustraire à votre autorité. Allez, vous êtes un vieux fou. Oh, la bonne promesse qu'a monsieur le bailli. La traîtresse. Mais pourtant, Collinette, tu m'as promis. Est-ce quelque loi, monsieur, qui autorise à épouser quelqu'un contre son gré? Qu'appelez-vous contre son gré? Une fille qui vient se jeter dans mes bras. J'aimerais mieux me jeter dans la rivière. J'ai dit ce que j'ai voulu pour me jouer de vous et pour venger Collat de la fourberie que vous lui avez faite. Oh, serpent. Comment? Quelle fourberie? Ah, te voilà, Collat. C'est toi qui t'avises de maltraiter les gens la nuit? Et pourquoi n'es-tu pas venu chercher ton fourniment comme je te l'avais ordonné? Ah, d'abord, monsieur, il n'y a que le bout de mon bras qui avons touché le dos du bailli. Et puis, monsieur, je voulions vous dire... Colin ne s'est pas engagé, monsieur. Comment? Tu ne t'es pas engagé ce matin? Monsieur, c'est lui, le bailli, qui m'avons joué ce tour-là. Le misérable, j'avais raison de soupçonner. Explique-toi. Eh ben, monsieur, puisque vous me permettez, c'est que sous votre aspect, nous aimons, Collinette et moi... C'est là, monsieur, la grâce que je vous demandais quand j'ai rencontré ce monsieur le bailli qui m'avait promis de vous parler. Oh. Oui, monsieur, il vous l'a présenté comme milicien. Vous l'avez accepté et Collat a pris son engagement pour un contrat de mariage. Je vois tout cela. Il faut, monsieur le bailli, que vous soyez un grand scélérat. Je suis surpris, monsieur, que vous preniez le parti d'un rival de son espèce. Cette perfide m'a promis sa main et pour preuve, elle a accepté une bourse de 100 louis que je lui ai donnée tantôt. Lave-la, lave-la, la bourse. Ce qui est dedans, il y a ben encore. 10, 20, 30, 40, 50, plus 50 font 100. Tiens, Collat, garde ceci, cet argent est dû. Mon argent, mais je ne lui donne pas, moi. En voilà bien qu'un autre. Il lui appartient en dédommagement du chagrin que vous lui avez donné. Et si vous n'êtes pas satisfait de ce jugement, ayez recours à la loi, monsieur l'homme de loi. Vous n'avez pas le droit. Le droit? Ce serait de vous chasser d'ici et de vous interdire un emploi que vous déshonorez. Donnez-lui cet argent et restez-en là. Alors, puisqu'il faut le donner... Ben, allons, puisqu'il faut le prendre. Moi, je me contenterai de vous rendre le témoin du consentement que je leur donne. Mariez-vous, mes enfants, et soyez heureux. Oh. Nous célébrerons demain votre fête et la mienne. Oh, monsieur. Oh, Collinette, que je suis heureux. Mais cet engagement dans la milice... Il est frauduleux, par conséquent, nul. Et je te donne ton congé. Un grand merci de tout mon cœur. Et moi, dans un jour comme celui-ci, je ne veux point conserver de rancune. Je vous pardonne aussi, monsieur le bailli. Mais à condition que quand je serai marié, vous vous dispenserez de nous faire des visites. Rions, chantons, soyons joyeux, l'amour enfin comble nos voeux. Rions, chantons, soyons joyeux, l'amour enfin comble nos voeux. Rions, chantons, soyons joyeux, l'amour enfin comble nos voeux. Rions, chantons, soyons joyeux, l'amour enfin comble nos voeux. Que de plaisir, quelle allégresse, ce Dieu pourra. L'amour enfin comble nos voeux, rions, chantons, soyons joyeux, l'amour enfin comble nos voeux.